Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la boutique Scrap Merveilleux. J'ai donc l'honneur pour la boutique Scrap Merveilleux de scraper la collection Hiver Slave que Brigitte a fait spécialement. Donc voilà, on est en plein été mais on va se rafraîchir un petit peu. C'est une superbe collection que j'aime beaucoup avec les couleurs que j'aime. Le bleu, le mauve, le rose. Voilà. Donc pour ce tuto, je vais reprendre ce que j'avais présenté à Brigitte. Cet album Paradise que je vais vous faire en tuto aujourd'hui. Avec la collection Hiver Slave. Donc voilà, c'était un petit coffret. Avec la collection Mintet. Où il y a deux mini-albums. C'est très simple hein, au final, hein, vous allez voir. Un mini ici avec sa pochette et un autre mini ici avec un ruban et juste avec des anneaux collés, etc. Donc voilà. Donc c'est celui-là que je vais vous présenter en tuto aujourd'hui. Que vous aurez besoin au niveau du matériel, c'est très simple. Colle, ciseaux, crayon. Cutter. Il vous faudra aussi un arrondisseur d'angle. Bon, moi j'ai celui-là, mais vous pouvez en trouver un autre dans la boutique, etc. Un plioir surtout. Une perfo pour faire des trous. Voilà la gamme basique. Des rubans, de la dentelle également. Voilà. Donc on commence. Pour commencer, on va commencer par la structure. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc j'ai pris une grande feuille que j'ai trouvée dans un magasin de loisirs créatifs. C'est une feuille Clairefontaine, donc qui fait en mesure 45 par 28. Voilà. J'ai ensuite pris de la cartonnette comme ceci. Donc la cartonnette, elle est toute simple hein, c'est tout fin, c'est même pas un millimètre, enfin un millimètre, pas plus. Donc 15 par 19, donc deux cartonnettes de 15 par 19, et pour la tranche 3 cm par 19. Voilà, j'ai déjà positionné tout ceci. Donc il n'y a plus qu'à couler. Alors, vous avez ce petit outil chez Scrap Merveilleux qui vous permet de faire les angles. Donc, vous le positionnez comme ceci. Tirez un trait de tous les côtés. Et ça vous fait des angles parfaits. Voilà. Donc on va insister sur les côtés, sur tout le tour, pour pouvoir bien plier.
Ensuite, on va positionner une feuille ici, cacher tout ça, qui sera recouvert de toute façon par la suite, donc de 19 sur 9. 9 sur 19. Donc, 9. Sur 19. C'est juste en fait pour cacher la tranche intérieure. La structure, c'est ça. Allez, c'est tout simple. On mettra après un papier de décoration devant et derrière. J'ai prévu ici un peu comme du simili cuir pour faire la tranche. Voilà. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Donc, en fait, par rapport à mes feuilles de papier, je les ai coupées de façon à garder les motifs principaux devant. Donc on va commencer par cet album là, où il est tout simple. Donc les feuilles font de 14 cm par 17. J'ai déjà préparé ça en fait. Donc 14 cm par 17. J'ai déjà tout préparé, tout coupé. J'ai également pris du papier calque. Alors, Brigitte m'a mis du bleu et du mauve que j'ai intégré dedans. Voilà. Donc ça fait des pages supplémentaires. Légèrement transparence. Donc ça fait très sympa. Donc voilà. Donc au niveau des anneaux, j'ai compté 4 cm de chaque côté. Entre là et là, il y a 4 cm. Et 1 cm depuis le bord extérieur. Donc voilà, et j'ai fait mes anneaux avec ma crop-à-dille. Et j'ai inclus mes anneaux dedans. Bon, jusque là c'est tout simple. Après c'est déjà imprimé, coloré, donc il n'y aura plus qu'à rajouter après de la déco, etc. Mais les feuilles se suffisent à elles-mêmes en fait. Et ce papier est magnifique, j'adore, j'aime beaucoup le noir. C'est un petit renard polaire je pense déjà, un renard polaire, un petit lapin, le cerf, la matrioshka, voilà voilà. Donc voilà déjà pour un mini album, donc tout simple, rien de spécial. On verra après pour l'accrocher. Pour le deuxième, bon, rien de particulier non plus. Donc les pages font 12 par 15. 12 par 15. Là c'est pareil, j'ai inclus le papier calque pour la couverture de celui-ci. Et il suffit de reprendre en fait simplement les chutes que vous avez faites avec ce, avec les chutes de papier, et vous reprenez par 12 par 15. J'ai également inclus une feuille, on appelle ça une feuille neige, qui est très sympa à travailler. Donc je l'ai inclus dans le mini aussi. Voilà, j'ai fait mes petits trous, j'ai inclus encore du papier calque. Voilà.
Donc ça, j'ai en découpé tout ça, donc 12 par 15. J'ai également fait mes petits trous, alors à 1 cm du bord, ici. Et là, du coup, c'est 3 cm de chaque côté. Voilà, et on va pouvoir mettre un ruban ici pour le tenir, parce que c'est juste avec un ruban qu'il est maintenu en fait, tout simplement assez large pour pouvoir tourner les pages en fait. À la pochette, vous allez inclure votre petit mini, donc c'est très simple aussi. Il va vous falloir une feuille de cardstock blanc de 14 par 22 cm. Alors je vous montre, voilà, 22 par 14. Ouais, donc là, bon, elle fait plus 14, elle fait 13 cm. J'ai pris une perforatrice pour faire une bordure en fait. Donc 14 par 22. Une petite perforatrice pour faire juste le haut, faire une jolie, comme une jolie dentelle. Ensuite, vous allez faire des plis à 2 cm, 4 cm, 18 cm et 20 cm. Voilà, vous faites vos plis. Sur ce côté-là, pareil, 2 cm et 2 cm. Vous coupez en fait ici. Vous faites une marge. Vous coupez en biseau là, là, et vous coupez là. Et bien de l'autre côté. Bon, ça vous donne ceci. Ça, ça sera pour accrocher. Ça va vous donner ça au final. Voilà, votre pochette, ça sera ça. Vous allez coller comme ça. J'ai préparé également ceci que j'ai découpé aussi avec la même perforatrice et qu'on va coller directement dessus. Mon coffret, j'ai mis un ruban ici pour tenir mon mini album et ainsi. Donc en fait, il en faut trois morceaux de ruban, même couleur, différentes couleurs. Ça sert à vous de voir. Spécifiquement pour ma page de cadre qui fait 18,5 sur 14,5. Voilà. Ma page de cadre ici, extérieure, qui sera celle-ci. La structure. Donc il faut prévoir une bande de 6 mm cuir. Voilà, j'avais dans mes affaires. De 19,3 à peu près sur 10. Voilà. Ça vous fera à peu près ça. Juste pour la tranche. J'ai pris à peu près 3 cm de chaque côté, plus la tranche de à peu près 3,5-4 cm. Voilà. Avec le beau papier. Je vais peut-être le faire passer en dessous. J'ai coupé deux feuilles, une blanche et une de la collection, donc qui fait 14,5 par 18,5, les deux. Alors pourquoi une blanche? Parce que j'avais plus de papier, vu que j'avais qu'une collection de papier, j'avais pas assez de papier pour faire
Et il me manquait juste une pour mettre ici. Donc j'ai juste pris une feuille blanche. Un petit peu, je vais mettre le rose. Donc voilà, la longueur, on va dire 2 x 30 cm. Non, même pas, ça fait beaucoup plus. Ça doit faire 40 cm x 2. Mais bon, je le fais toujours trop grand. Donc, vous prenez un ruban, vous coupez en deux. On va positionner notre ruban à peu près à la moitié du pot. Donc, c'est 10, on va dire 19,5. 9,9, 18. À peu près 9,25. Voilà. Une petite marque. Et on colle notre joli ruban. Alors là, je vais prendre du double face par contre. Voilà. Ici et de l'autre côté. Une fois que vous avez collé vos rubans, vous pouvez coller vos pages intérieures. La petite bande fait 3,4 sur 10, 8,5. Donc vous allez placer au milieu pour la tranche. C'est juste pour éviter que ça reste tout blanc. Oups. Voilà. Donc je me suis servi de mes petites chutes là aussi pour pouvoir la mettre. Donc l'important c'est de bien garder toutes vos chutes de papier. Parce que moi les chutes de papier me servent à beaucoup de choses. Collez votre petite pochette. Donc on la colle ici juste en bas de la... Donc je vais prendre du double face là. Pour être sûr que ça colle bien. Le mini, donc de 12 par 15, avec les petites chutes de papier, on va pouvoir l'attacher, donc à mettre du ruban également. Donc moi j'avais choisi celui-ci, c'est un petit ruban bon, tout simple, violet pailleté. Pour inclure celui-ci, bah écoutez, c'est pas compliqué non plus. Il va juste falloir calculer. Alors, je reprends mon autre mini pour vérifier à combien je l'ai mis. Alors, j'ai fait 2 cm du bord. Voilà, et à. cm à peu près, 4,5 cm.
ici et 2 cm ici. Voilà, j'ai fait mes repères pour faire mes trous. La structure est faite, il n'y a plus qu'à faire après tout ce qui est embellissement. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce que ça ferait... Hop, c'est juste pour le tenir en fait. C'était juste ça à la base. Voilà, il faudrait ça que j'ai pas mis derrière pour tenir mon petit mini. Mais là du coup il ne bouge plus. Bon, à peu près. Voilà, donc il reste tout ce qui est décoration, des pages. Donc avec cette collection de papier, vous avez également assorti des chipboards. Il y a deux planches de chipboard. Alors là, j'ai tout découpé. Vous avez également des badges de la boutique qui sont très très beaux, que je vais mettre aussi. Vous avez de la dentelle bleue ou mauve que Brigitte m'a envoyé, que je vais pouvoir mettre dans l'album aussi. Voilà, avec toutes les chutes de papier. Alors moi je garde toujours toutes les chutes. Voilà, on peut s'en servir. Là j'ai sous la neige, je vais peut-être mettre ça en titre. Voilà, il y a joyeuse fête. Moi je garde tout. Il y a plein de petits mots aussi. Voilà, qu'on peut mettre à l'intérieur des pages. Donc moi avec toutes ces petites chutes là, alors pas celle-là, c'est un peu petit. Voilà, tout ça, voilà, bah, j'en ai déjà fait. Donc moi avec les chutes, je fais des tags en fait. J'ai une perforatrice qui me fait 3 tailles de tags différents et c'est très pratique. Donc voilà, je vais faire des tags avec tout cela. Mes chutes, voilà, j'en ai déjà fait quelques-uns avec mes chutes de papier. Voilà, on peut faire tout ça et qu'on peut inclure dans le mini ou le coller ou voilà, faire des petites choses en plus. Et là, j'ai découpé tous les petits chipboards qu'on va pouvoir mettre dans l'album pour en décorer. Voilà, bon, bah, c'est tout ce qu'il y avait dans les petites planches, la page de garde où il y avait aussi les animaux à découper. Voilà, j'ai tout découpé. Il y a plein de petits mots aussi. Noël ensemble, voilà. Plein de petits mots qu'on va pouvoir mettre sur les pages. J'ai préparé une petite carte avec un papier de la collection Iverslav que j'ai collé sur un papier blanc pour faire une carte. Non, tout simplement. Donc, c'est quoi ? J'ai mis quoi, 13 sur, bon, 13,5, non, 13 sur 13, voilà. Et en fait, pourquoi je vous montre celle-ci, c'est parce que j'ai préparé une shaker avec. Donc la shaker, c'est très simple. Alors je sais que Brigitte en vend dans sa boutique, mais là vous pouvez le fabriquer aussi vous-même. Donc il suffit juste de récupérer, en fait, j'ai récupéré sur un rouleau comme ça, l'intérieur, tout simplement, le blanc là, je l'ai récupéré. Celui-là il est tout fin en plus. Voilà, je l'ai collé sur la fameuse feuille neige. Bon, ça c'est juste un petit bout qui me reste. Donc je l'ai collé sur une feuille neige. J'ai positionné dessus de la neige pour faire un petit flocon. J'ai mis des sequins de différentes couleurs. Là, c'est plutôt dans les tons rose et argenté. Voilà. J'ai collé par-dessus juste du rhodoïde. Et voilà. Ça vous fait une carte de shaker toute simple à faire. Donc voilà, c'était juste, je voulais juste vous montrer ça.
ce que j'avais préparé. J'ai pas terminé évidemment. Je voulais juste vous montrer, il me reste toute la décoration de la carte, etc. Mais voilà, juste pour la carte shaker déjà, ce que vous pouvez faire avec juste un rouleau de scotch double face. Donc là, elle était fine, vous pouvez en prendre un plus épais pour mettre plus de choses dedans. Enfin bon, voilà. Toujours tout récupérer, ça peut servir. Juste une petite aparté pour le bout de feuille qui me restait, la petite shaker card que vous pouvez faire tout simplement. Vraiment tout simplement. Donc là, comme il y a du bleu, parce que j'avais pris un stylo pour faire mon nom, je vais essayer de cacher tout ça en mettant de la dentelle, des rubans, enfin bon, je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec. Donc je vous montrerai ça dans un deuxième temps. Donc la décoration du mini, ça vous appartient. Moi je vais le décorer à ma façon et on va voir après ce que ça donne. Voilà, je vous laisse faire. J'espère que j'ai été claire et concise. Voilà, après c'est pas très compliqué pour la décoration des pages. Ça je pense que vous pouvez faire vous-même. La structure, moi je vous ai dit, on l'a vu ensemble, c'est pas compliqué non plus. C'est vraiment tout simple. Et voilà ce que ça donne pour le petit mini Everslab de scrap merveilleux. Donc la vidéo est terminée. On se retrouve après pour un visuel de l'album fini avec les décorations, les rubans, les tags et puis tous les petits chipboards qui sont à découper. Plus les petits badges qui sont assortis. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Alors voici la suite de la vidéo avec l'album Sous la neige totalement fini. Alors je vous montre. Donc j'ai mis ici une petite dentelle, des petits gris-gris et ma couverture extérieure. Donc là j'ai mis un simili cuir. Des coins de chaque côté et les petites décos que j'ai mis en 3D pour certaines, un petit badge de la collection. Voilà, on ouvre donc le bac là complètement fini. Alors les deux mini albums, le mini dans sa pochette avec les petites décos. Donc les deux petits tags que j'ai fait en plus. Je vous montre le premier mini où j'ai rajouté des petites décos sur la première page calque. Voilà. Donc pour chaque page, j'ai fait des petits traits alors avec un stylo feutre. Ou au stylo, vous pouvez mettre pour agrémenter votre papier et faire un petit cadre. Voilà, moi je trouve ça assez sympa. Donc vous pouvez mettre dans cet album, dans ce mini album, 25 photos. Voilà. J'ai fait ici une petite décoration avec le papier neige, l'ours polaire et un petit sapin que j'ai embossé. Voilà, donc le mini est tout simple, il n'y a rien de particulier. J'ai également fait ça sur le tour sur mes papiers calques pour donner un peu de légèreté au mini album. Voilà pour le premier mini que je vais mettre dans sa boîte. Pour le deuxième, instant magique. Donc celui-ci, on peut mettre jusqu'à 18 photos, donc en tout 53 photos au total. Voilà. Donc j'ai fait le tour avec les tampons que j'avais. C'était des tampons un peu couture. Donc j'ai mis des napperons également pour agrémenter le tout. Voilà, là aussi, j'en ai mis sur le papier calque. Là, mais j'ai mis au stylo. Donc j'ai fait des petites pages comme ça où j'ai rajouté quelques petites décorations, des badges, des petits tampons pour le tour et agrémenter de petites bulles.
comme des boules de neige. Voilà. Après certaines pages où j'ai rien mis parce qu'il n'y avait pas besoin forcément. Là, j'en ai rajouté un peu pour ajouter un cadre à chaque papier. Voilà. Et là, j'ai rajouté des petites tags en plus. Donc tout ça fait avec les petites chutes de papier et on rajoute une petite photo à la fin. J'ai également fait une petite pochette ici pour pouvoir mettre des tags à l'intérieur pour cacher la photo. Donc voilà, et mis avec une petite perforatrice en plus. Voilà. Donc le coffret mini album est terminé. Agrémenté à ma façon, donc vous pouvez le faire comme vous le souhaitez, à votre façon, à vous, suivant le tuto que je vous ai donné au préalable. Voilà. Et bien, je vous souhaite bon scrap et à la prochaine fois.